Elle a des contractions. Attends. Laisse-moi t'aider. Attends, je vais t'aider. T'inquiète. Hein? Ok, vas-y. Pousse. Ok, vas-y, attends. Attends. Attends, je vais t'aider. Je suis là. Ok. Attends. Vas-y. Pousse. Pousse. Vas-y, pousse. Pousse, vas-y. Ok, encore. Vas-y. Ok, vas-y, pousse. Encore très fort. Oui. Vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Encore. Oh. Ça, c'est en début d'un désastre. Il y a un problème qui se passe quelque part. De quel qu'il s'agit-il? Non. Ces plaies sont ceux d'un bébé. Es-tu pour venir dans cette communauté à 7 heures? Hein? Es-tu un humain ou un esprit? Et pour moi, niquer pour moi. Tu ne sauras pas me détrôner. Je suis la déesse des mots. La déesse de la foutre. Je suis Nemo. Je suis la mère de tout esprit. Qui es-tu? Ah, le binagumu, ah, le binagumu, il va ne mettre mi vers Odogu. Emelier, Emelier, Odogu, il y a un enfant qui vient de naître à minuit. Cet enfant vient avec le chagrin, la destruction et notre fin à tous. Comment est-ce possible? Les dieux sont en colère. Cet enfant doit mourir, sinon il nous détruira tous. Aisément, l'anniversaire de Fala aura lieu demain. À cette occasion, ils ont besoin de sacrifices pour apaiser les dieux. Mais de quoi plus question de ça. Les dieux ont absolument tout mis en suspens. Tout d'abord, cet enfant doit être retrouvé et tué avant qu'il ne nous détruise, nous. Ça, c'est sérieux. Aisément, ça, c'est sérieux. Ok. Où est-il exactement né? Et de qui est-il né? Deli, Deli, Deli! Silence! Les dieux sont en train de parler. Olumo, es-tu en train de me dire que mon Ofala
qui aura lieu demain ne se passera plus comme prévu à cause de la naissance d'un garçon. Mmh. C'est ce que tu veux me dire? Ainsi parlent les dieux et non moi. Mmh. Ok, et qu'en est-il de Vierge? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je les enverrai dans la nuit. Telle est l'instruction venant des dieux. Vous, allez dans tout le village, cherchez le nouveau-né. Amenez-les ici immédiatement. Entendu, mon roi. Mort ou vivant, allez-y. Votre Altesse. Olaou. Oui, mon roi. Cette situation est en train de se dégrader. Et il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut trouver une solution. Car c'est bien dit, mon roi. C'est un danger. C'est vraiment un danger. Il faut vite trouver une solution. Qui est dans cette maison? Qui est dans cette maison? Oh. Femme, tu es voulu immédiatement auprès de l'œil des dieux. Maintenant. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce que je fais de mal? Quand tu arrives là-bas, tu lui demandes. Allez, on y va. S'il te plaît, doucement. Aïe. Femme, où se trouve le bébé? Je n'ai pas vu de bébé. Le bébé qui était né d'une folle juste derrière ta maison, où est-il? Je n'ai vu aucun bébé, j'en sais rien. Abogidi, va là-bas et tue son fils. Tu penses que je blague avec toi? Femme, tu penses que je plaisante? Tu es devant Alicio le grand féticheur. Alicio le grand Dibia. Et tu oses me mentir à moi? Tais-toi! Maintenant, es-tu prête à parler? Où est le bébé? Je n'en sais rien. Je n'ai vu aucun bébé. Abogidi, tue le mari. Maintenant! Non, 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 non! Ah! 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 Non, non. Femme! Leur sang se trouve entre tes mains. Il est... Maintenant, es-tu prête à parler? Où se trouve le bébé? Cette femme pense que nous sommes ici pour blaguer. Femme, écoute-moi. Penses-tu que nous sommes venus ici pour jouer? Où est le bébé? Parle! Assez! Tu es devant Alicio le grand Dibia, Alicio le grand féticheur, et tu te joues de moi! Ce qui va t'arriver! Moi, en tant que l'œil des dieux, je te nomme en cet instant une servante esclave dans ce sanctuaire! Garde un œil sur elle. Elle va rester ici pendant toute sa vie. Comme esclave servante dans ce sanctuaire. Emmène-la à l'intérieur. Viens. Remettez la boule! 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 La boule!
Nemo. Iyako. Qu'est-ce que tu es venu faire dans mon territoire? Toi qui es une voleuse. Es-tu donc venu me voler? Moi, Iyako, la déesse de l'Ouest, Melina Liugo, je ne perds rien. Je mets sous mes pieds tout sujet, y compris toi. Nemo. Je vous wanza. Qu'est-ce que tu as fait de l'église? Iyako. Je ne sais pas si tu as fait de l'église. Mais tu Iyako. Je suis la déesse de la foudre. Je ne me prosterne pas devant une déesse voleuse comme toi. Veille sur ta bouche. Sinon, je te détruis. Iyako, je suis indestructible. Rien en toi ne peut me détruire. Nemo. Nemo. Quand un singe devient trop sûr de lui, même l'arbre qui est derrière lui devient très loin à y accéder. Écoute-moi, cette petite chose qui te fait croire que tu peux manger la nourriture des dieux. Hein? Tu dois faire gaffe. Nemo. Sois assujetti. Iyako. Ne tombe jamais. Allez. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas tout ça. Je suis confus. Je ne suis pas vraiment erré du tout de tout ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Mais tu es la cause de ces problèmes. Juste regarde la manière dont les choses sont en train de se passer. Hein? Honnêtement, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Hein? Hein? Et je t'ai donné un autre ordre. Je t'ai donné un grand ordre d'éliminer toute sa famille. Et tu as juste éliminé l'homme et les enfants. Hein? Tu as laissé la femme. Mais regarde maintenant ce que tu es au point de créer. Regarde ce que tu es en train de créer maintenant. Nous sommes en train de courir des risques. Votre Altesse. Tout ça est de ma faute. Je suis désolé, Votre Altesse. Désolé n'est pas du tout suffisant. Sois beaucoup plus lucide et résous ce problème le plus rapidement possible. Tu as ramassé ce bébé ailleurs. Il ne t'appartient pas. Jette-les. Mon mari, je suis désolée. Je ne saurais pas le faire. Pourquoi tu me dis ça? Non, mais pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas le jeter? Il y a quelque chose de très particulier avec cet enfant. Comment tu le sais? Mon mari, il y a un problème dans le royaume de Umweke. Causé par la naissance de cet enfant. Hein? Laisse-moi profiter de la joie de maternité par le truchement de cet enfant. Cet enfant peut nous ouvrir une nouvelle saison au sujet de notre maternité. Ne sais-tu pas que le roi a annulé le festival du feu juste à cause de la naissance de cet enfant? Ma sœur a été dédiée au féticheur et toute sa famille a été tuée juste à cause de cet enfant. Maintenant, mon menstrue a été perturbé toutes ces années. Mais bizarrement, je l'ai vu aujourd'hui. Oui. Hein? Ça veut dire que cet enfant est spécial.
Nous devons être patients avec cet enfant, mon mari. Nous devons être patients. On doit le garder avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Laisse-moi d'abord te poser une question. Ne trouves-tu pas que nous sommes en danger? En gardant ce bébé avec nous ou en le jetant? Mon mari, s'il te plaît, tu ne m'as jamais offensé depuis que je t'ai rencontré. Biko, épargne-moi. Hein? Cette âme innocente qui dort calmement et paisiblement entre mes mains. Je ne saurais pas mettre cet enfant dehors. Oh. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Nous devons le garder. Nous devons garder cet enfant. Il nous apportera de nouvelles choses. Regarde-le. Tellement innocent. Vous tous allez donner cette information aux autres. Que moi je dis que quiconque est capable de trouver ce bébé qui manque, ce bébé qui est perdu, ce bébé recherché, ce bébé né par cette femme folle, recevra une grande récompense. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. Oui, votre majesté, nous avons compris. Celui-là aura la récompense d'une vache, d'un bouc, de deux plates-bandes d'igname. Et pour les hommes, je vais vous bénir avec un titre très élevé. Et pour vous les femmes, vous savez ce que ça représente. Vous devenez automatiquement la femme du roi. Et vous savez ce que ça signifie être reine. Partez et donnez cette information aux autres. Igwe. Igwe. Igwe, il y a deux nuits, vos gardes ont tué chaque enfant dans cette communauté. Igwe, y compris mon fils. Y compris mon fils. Igwe, donc, tout ça c'est parce que vous cherchez le fils du feu Igwe. Igwe, vous êtes méchant. Vous êtes méchant, Igwe. Tu n'es un moins que rien. Igwe, vous êtes méchant. Très méchant. Laissez-moi. 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 Tu as dit que j'étais méchant. Je suis méchant. Et vous tous allez dire aux autres, est-ce que je suis clair? Oui, est-ce que je suis clair? Oui, mais sortez, sortez de mon palais, sortez. Cette situation est embarrassante, elle est vraiment embarrassante. Comment est-ce qu'un enfant né d'une folle peut me mettre mal à l'aise à ce point? Je suis exactement confus. Je ne sais pas comment. Igwe! Salutations, Votre Altesse. Arrume-moi. As-tu trouvé où se trouve le bébé recherché? Bien au contraire, Votre Majesté. Les dieux ont un autre message pour vous. Quel est le message qui soit plus important que celui dont on... Votre Majesté, les dieux ont dit qu'il est bien temps pour vous de vous trouver une femme. Tu es fou. Sors d'ici avant que je ne te tue, toi et tes dieux. Comment tu peux concevoir ça? Hey, les dieux sont sages. Votre Majesté, n'insultez pas les dieux de notre terre.
alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Du moment où ils ne sont pas capables de nous trouver ce fils qui est perdu, un seul garçon à la recherche, alors ils sont non importants pour nous. Ah! Je suis Yaya Numo, fils de Otisha Kwalaji. Igwe, soyez avertis. Sors de mon palais. Il ne fallait quand même pas lui parler de cette manière-là. Hein? Nous avons déjà des problèmes. Et tu vas en ajouter encore. Va lui dire d'aller dire au Dieu que moi, le grand souverain et roi du royaume de Momokeking, je ne suis pas heureux. Mais il a totalement raison. Nous sommes les gardiens de cette terre. Il faut que nous soyons mariés. Nous avons beaucoup de problèmes d'Abalaban et le mariage ne les concerne Igwe. Pas. Igwe. Maintenant, Lou, tu dois aller vers les dieux et leur demander des nouvelles à propos du bébé. Igwe, mais c'est moi qui laisse sa main de non-retour. Tu le sais bien, Igwe. Alors envoie une autre personne. D'accord, son Altesse, je le ferai. Ona, Ono, c'est toi qui construis sur cette terre ici. Oui, tel que tu peux le voir, je suis en train de construire. Il y a un problème. Mais c'est ma terre. Quoi? Ono, je suis l'aîné de la famille, je suis le premier, je suis supposé construire ici. Mais toi, tu vas construire là-bas. Hein? Moi, je construis ici. De toute façon, tu es mon grand frère. Même si c'est à moi, je te la laisserai quand même. Bon, je dois participer à une réunion. Oh non. Hey, 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 hey. Hey, les terres lui appartiennent. Ma femme. Ah, hey. Mon mari, bienvenue. Ah, comment va le bébé? Il dort. Il dort. Papa est de retour, ah, toi, tu es toujours en train de dormir. Notre Dieu est merveilleux. En tout temps. Hey. Tu es tellement excité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Dis-moi, s'il te plaît. Écoute, j'étais avec Maïzundukwe quand quelqu'un est venu nous informer. Le vrai commissionnaire pour qui nous avons travaillé il y a 10 ans a demandé que tous les travailleurs reviennent pour le contrôle. Et hey, notre Dieu est merveilleux. Et il a déjà pris le contrôle. Uh-huh. Il a dit qu'il va payer tous les arriérés. Et jusqu'à ce jour. Et pas seulement ça. Tu nous as apporté le bonheur. Et pas seulement ça. Il a dit que je dois résumer le rapport final. Ivo, tu peux reprendre le boulot. Juste toi. Le diable est un menteur. Non, c'est pas vrai. Pour 10 ans. Mais ces garçons sont une bénédiction pour nous. Abou Tchoukou. Donnez-moi un peu. Abou Tchoukou. C'est une bénédiction pour nous. En tout cas. Moi, Tchoukou. Qui est ici dans cette maison? Qui est dans cette maison? Oh oui, qui est-ce? Oh oui, qui est-ce? Vous êtes qui? Tu es voulu au palais, maintenant. Et pourquoi? Je ne sais pas. Si ce n'est qu'à cause de ces terres-là, il serait mieux de me tuer. Pour les reprendre. Mon cœur, s'il te plaît, va avec eux. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils t'appellent.
On n'a pas beaucoup de temps. Allons-y maintenant. Oh, tu as raison. Je reviens. Igor, voici. Voici mon frère Bona. C'est lui qui est choisi pour ce grand voyage. Alors, il est là. Bien. Bien. Bona. Tu dois aller en voyage vers la terre d'Agunasa. Et ce voyage, c'est pour le bénéfice de toute notre communauté. Suis-je bien compris? Agunasa. Oh, le pays des morts. Pourquoi? Mais pourquoi moi? Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Oh non. Pourquoi m'as-tu choisi? Je suis ton grand frère. Ton seul grand frère qui a survécu. Pourquoi veux-tu me détruire? Tu dois comprendre ça. Ce n'est pas lui qui t'a choisi, mais ce sont les dieux qui t'ont choisi. Votre Altesse, il n'y a que 2 semaines que j'ai épousé ma femme et elle ne m'a même pas donné un fils. Et mon frère ici le sait. Silence! Tais-toi! Qu'est-ce que tu me racontes? Ex-mal! Si une personne meurt pour toute une communauté ou une communauté mourir pour une seule personne, je te demande. Votre Altesse, je n'irai nulle part. Alors préparez-vous à le brûler vif. Où est la différence? Même si je vais en voyage et je reviens, je serai donné en sacrifice au Dieu. Et maintenant, où est la différence? Et d'ailleurs, même si votre trône s'est renversé, je n'irai nulle part. Garde! Votre Altesse! Prenez-les! Prenez-les! Brûlez les vifs dans la forêt! Oui, Votre Altesse! Oh non! Oh non! Tu souffriras! Tu souffriras, oh non! Tu ne connaîtras jamais le bonheur! Imagine un peu ça! Oh non, s'il te plaît! S'il te plaît, oh non, tue-moi seul! Et laisse ma femme partir. Elle est enceinte d'un mois, s'il te plaît. Tais-toi. Amenez-la dans cette forêt et enterrez-la vivant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Onou, s'il te plaît. Onou, je t'en prie. Je t'en prie, s'il te plaît, Onou. Je suis d'accord pour aller alors au voyage. Je suis d'accord. S'il te plaît. Le temps de la miséricorde est passé. Partez. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Oh non, tu vas souffrir dans ta vie. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Allez, avance, vas-y. Tu ne verras jamais la paix. Oh non, tu ne verras jamais une vie paisible. Oh non, tu souffriras. Oh non, tu n'auras jamais une famille à toi. Oh non, tu n'auras jamais un foyer stable. Oh non, tu souffriras. Tu souffriras, oh non. Oh non, tu souffriras. Ah bon, Choco. Papa. Comment est ta canne? C'est vraiment très dur. Ah, c'est dur. Oui, oui. Ce n'est pas vraiment fort. Laisse-moi l'échanger pour toi. Non. Mais est-ce que c'est bien pour toi? Jideka, je suis perdu. Nani, s'il te plaît, je cherche mon argent. Est-ce que tu as vu ça? Je n'ai absolument rien vu. Tu disais que tu cherchais ton argent. N'as-tu pas vu mon argent? Pas du tout. Tu mens. C'est 5000 naira. 5000 naira, c'est ce qui est perdu. C'est ce que je cherche, 5000 naira. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de là où tu l'avais gardé? Je suis sûr de l'endroit où j'avais mis ça. Hein? Comment tu peux me poser cette question? J'avais mis ça dans le box. J'en suis très sûr. Tel que tu peux le voir, je ne suis même pas entré à l'intérieur. Je me suis juste décidé de parler avec Okechukwu. Non mais s'il te plaît, m'accuses-tu? Non, je ne suis pas en train de t'accuser. Je ne fais que chercher mes 5000 naira. Biko. Maman, hein? Je sais qui a volé ton argent. Hein? Qui l'a volé? C'est ton ami Onoma. Veux-tu fermer ta bouche? Comment oses-tu accuser cette pauvre femme? Elle n'était même pas venue ici.
Attends, hein? Attends, permets-le de parler. Calme-toi. Maman, elle était ici. Elle était venue quand j'étais dans la cuisine. Elle est entrée à l'intérieur, a pris l'argent et est partie. Aboumchoko. Papa. Mais es-tu sûr de ce que tu racontes? Oui. Je ne comprends pas. Ndideka, c'est quel genre d'embarrassement? Écoute, Noma, je ne suis pas ici pour le blague. Mon fils m'a dit qu'il t'a vu prendre mes 5000 naira que j'ai gagné avec beaucoup de sueur. C'est pourquoi je suis là, donne-le-moi. Moi, j'ai volé ton argent. M'as-tu vu chez toi aujourd'hui? La vérité doit être dite. Je t'ai pas vu dans ma maison. Oui. Mais mon fils m'a dit qu'il t'a vu en esprit en train de prendre mes 5000 naira. C'est pourquoi je suis venue les récupérer. De quel enfant parlais-tu? Hein? Cet aveugle. Que je punisse la pauvre fille. Hey! Pourquoi tu appelles mon fils aveugle? On aurait tout vu dans ce monde. Es-tu folle? Est-ce qu'il peut bien voir? Dis-moi. Cet aveugle. Attends, oh, s'il te plaît. Maman. Ne me dis pas que tu as cru en ce qu'il t'a dit, hein? Non, maman. Sur moi. Que la foudre s'abatte sur toi pour avoir tué mon beau garçon d'aveugle. Est-ce que tu vas bien? N'est-il pas aveugle? Non, maman. Si ce n'est pas pour une chose, hein? Si ce n'est pas pour Dieu, si je te bats cet après-midi, c'est là que tu comprendras de quel bois je m'échauffe. Hein? Es-tu folle? Tu me tentes, la va me donner mes... C'est comme ça que tu me traites, moi, ton ami? Non, moi, j'ai dit que tu entres dans ta maison et récupères pour moi mes 5000 naira. Je vais te tuer, oh. S'il te plaît, pardon, j'ai envie de problème. Je te tuerai, oh. Tu as vraiment cru à ton enfant et tu me dis que c'est moi qui vends ton argent? Je te rendrai avec, oh. Tu abuses de mon fils, c'est ça? Quel aveuglement t'es vite? N'est-il pas un aveugle? Quel aveuglement t'es vite? T'es un aveugle, ton fils. Quel aveuglement t'es vite? Et il le restera. Prenez-moi mon argent. Arrête de gaspiller mon temps. Hein? Je vais te tuer là-haut. C'est étonnant. C'est qui que je prenais pour une amie? C'est qui ton ami? Hey! Maman, voici l'argent. Elle ne l'a pas encore utilisé. Tu n'es qu'aimé. Dis-moi. Et vous? Non, maman. Comment? Non, maman. Tu as dit que mon fils ne peut pas voir. Tu as dit que mon fils était aveugle. S'il te plaît. Mais il a vu mes 5000 naira. Il a vu là où tu l'avais caché. Voleuse. Je suis désolée. Assassin. Tu es comme une sœur pour moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, oh. Je n'ai pas fait que... Non, maman. Si je te vois encore près de ma maison, Noma, c'est que je te ferai. Tu vas les regretter toute ta vie. Ose encore la prochaine fois. Voleuse. Voleuse. On y va, mon fils. Celui que tu insultes, aveugle. Un aveugle a pu voir là où tu as caché mon argent. Voleuse. Mon fils, on y va. Et honteux que tu es. Comment est-ce que je peux venger cet embarrassement que Ndideka et son fils m'ont fait? Dois-je aller chercher comment le faire mourir? Hein? Ndide, mon ami, ça c'est vraiment étrange. Cette fois-ci, ça a pris un sens. C'est une mission divine, je crois. Ma sœur, tu n'as pas tort. Aboumchoukou. Hey! Tu dois bien élever cet enfant, oh. Avant qu'au moins qu'il découvre où il se trouve. Hein? Non, maman. T'ai-je entendu dire au moins que? Bien sûr que oui. Tu es la seule personne à qui j'ai raconté l'histoire de cet enfant. Alors, gardons ces secrets pour nous deux. Promets-moi que plus personne n'attendra ce que je t'ai raconté au sujet de cet enfant. N'as-tu plus confiance en moi? Tu ne crois plus en moi? Je ne parle pas beaucoup, moi. Non, maman. Non, maman. Non, moi, ne me cause pas de troubles. Oh, s'il te plaît. Personne ne le saura. Ndideka. Je sais ce que je veux faire. Votre Altesse. Cette femme ici est une étrangère. Elle vient dans ce village avec des informations importantes. Et selon elle, elle sait où se trouve l'enfant. Quoi? Femme! Où est cet enfant? Dis-nous où il est. Femme, je te demande de parler. Stop.
tu viens très loin de ton village pour le royaume de Mouké, pour te moquer de moi. Tu seras brûlé. Moi, Igwe, je te tuerai. Je vais te manger comme une viande. Garde, prenez-la, coupez-la en morceaux. Par ici. Par ici. On avance. C'est de bêtises. C'est du n'importe quoi. C'est bon, ça va passer. Ça va passer. Calme-toi, ça va passer. C'est bon, ça va passer. Arrête de pleurer, ça va passer. Calme-toi, prends de l'eau, prends de l'eau, prends de l'eau, tu vois. Quel type de maladie ça? Prends de l'eau, hein. Mais papa, maman n'est pas malade du tout. Ah bon, Tchouko, ne vois-tu pas qu'elle est malade? Ne vois-tu même pas son apparence? Papa, maman porte un enfant. Hein? Oh me wo ya o ti o ba tare me wo ya wonye ne nye nwe me wo ya o me re ya no ge ya ji o be me wo ya o me wo ya o ti ne nye nwe me wo ya o abu mi hembe me wo ya o me re ya no ge ya o dimo 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 tutu dime ihe dima abali nwanne m onwe gị ihe ga-eme gị n'ụwa ezi dimo ọma o dimo 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 tutu dime ihe dima abali ezi dimo onwe gị ihe ga-eme gị n'ụwa. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la raison de toutes ces danses? Quand je te vois heureuse, moi aussi je suis heureux. Nani. Non, 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 non. Ne t'agenouille pas pour moi. C'est quoi le problème? Ne t'agenouille pas. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ta patience, pour ton amour. Tu es resté à mes côtés depuis tout. Ces années, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, arrête de pleurer. Merci, arrête de pleurer. Merci. Oh, c'est bon, c'est bon. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Oh, c'est bon comme ça. Mais quelle est la raison de tout ça? Mon mari. Oui. Je viens à peine d'un centre de santé. Oui. Dis-moi, dis-moi, mais parle-moi, c'est quoi le problème? On a confirmé que je suis enceinte. Toi? Oui. Enceinte? Oui, je suis enceinte. C'est ça le résultat. Je suis enceinte. Une minute. Jésus-Christ, 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 tu es enceinte. Oui. Mais Abou Tchouko avait raison. Oui, il avait raison. Il avait raison. Je suis enceinte. Et... je porte notre bébé. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Bien, chérie. En tout cas, Dieu est grand. Il est merveilleux. Que l'honneur lui soit rendu. Bien, que s'est-il passé? Votre Altesse, la dernière de vos femmes vient d'accoucher. Que le Dieu fasse que tu ne parles plus parce que tu es appelé mes servantes, mes femmes. Je m'excuse, Votre Altesse. La dernière de vos servantes vient d'accoucher. Combien de bébés avons-nous maintenant? Ils sont à 10 au total. 8 filles et 2 garçons.
Alors, séparez les bons grains de l'ivraie. Désolé, Votre Altesse, mais je suis confus. Va préparer les femelles pour le sacrifice. Et renvoie leur mère à la maison, ils sont bons que pour l'ivraie. Et les bébés garçons ainsi que leur mère, gardez-les. Suis-je clair? Oui, Votre Altesse. Ok, sors. De tout ce que j'ai acheté, tu préfères manger quoi? Les riz ou que je te fasse Maman, une soupe? Maman, tu sais bien préparer les riz, tu sais. Ah. Donc je mangerai du riz. Éveille, beau. Hey. Jideka, comme tu es toute belle. Éveille, beau, toi aussi, oh. Les yeux sont bons. Venez-vous avec ton gros ventre. Ah, ma sœur, ce gros ventre est plus qu'avoir un ventre plat. Oui, j'en profite, oh. Nous venons à peine du marché, oh. Comment va ta famille? Tout le monde va bien. Je suis très contente pour toi. Et mon souhait que cet enfant t'apporte le bonheur. J'ai béni Dieu, oh. Hey. Dieu est merveilleux. Quoi? Ne la touche pas. J'ai dit ne la touche pas, méchante femme. En fait, ton fils aime bien insulter les gens. Egoïbo, je suis désolée. Je suis désolée. Abotchoukou, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Comment tu peux insulter Egoïbo? C'est mon ami. Elle n'est pas ton ami. Si elle touche ton ventre, ton bébé mourra. Allez, arrête, t'es fou. Où est-ce que tu as pris cela? Egoïbo, s'il te plaît, hein, pardon. Pardon, Léo. Abotchoukou, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Comment tu peux directement insulter Egoïbo? Maman, elle est maléfique. Elle veut tuer ma sœur. Hein? Oui, maman, c'est ma sœur que tu portes dans ton ventre. Abomtchouko? Ah! Tu es un enfant très étrange. Où est le reste d'entre vous alors? Elles sont restées à l'intérieur, elles veillent sur nos bébés. Écoutez, allez leur dire, vous devez déjà préparer vos bébés pour que je puisse vous sortir de ce palais. Oui, ok. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais, mais je reviendrai. Une fois que je suis là, je vous donnerai un signe. Vous allez commencer à sortir pour vous en aller. Vous m'entendez? Ok, ok. Est-ce que j'ai été assez clair? C'est bon, okay. Partez maintenant, partez. Votre Majesté, nous venons juste d'apprendre que ces femmes qui ont donné naissance à ces bébés viennent de s'échapper du palais. Quoi? Quoi? Oh non! C'est une trahison, ça. Obina! Obina, tu as l'audace de désobéir à mes ordres? Obina, tu m'es trahi! Mais Votre Altesse, c'est vraiment inhumain de tuer ces enfants juste parce que ce sont des filles. Tais-toi! Ton travail ici, c'est d'exécuter les ordres et non mentionner une quelconque notion d'humanité. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a des conséquences pour les gens des crimes que tu viens de commettre. Et ça, c'est la mort. Oh, tante, s'il vous plaît. Faites de moi tout ce que vous voulez, mais laissez... Mais laissez ces familles et leurs enfants. Ce sont des innocents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ton souhait ne peut pas me commander. Tu seras brûlé vif de la tête aux pieds. Aussi, aux côtés de ces femmes. Et pour les enfants, sacrifiez-les au dieu d'Aland. Très bien, Votre Altesse. Prenez-les. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ici. Ah!
Enfant-moi. Enfant-moi. Igwe, vous êtes immunisé contre toute attaque spirituelle. Ici, aucun esprit maléfique ne peut te tuer. Ici, aucun être humain ne peut te tuer. Ici, vous êtes fortifié. Ici. Nebere, Ebele, confrère, hein? Maman, il est revenu. Ebere, oh, confrère, hein? Tu es de retour. Hein? Où étais-tu allé? Hein? Nous nous sommes inquiétés à ton sujet. Hein? Tu as fait 2 semaines. Confrère, où est-ce que tu étais parti? Tu m'as manqué, tu m'as vraiment manqué. Où étais-tu parti? J'étais sur la montagne en train de prier, à la recherche de la face des dieux. Arrêtez de vous en faire comme ça. Ebele. Ah bon, Tchoukou. Maman. Il faut toujours nous faire signe si tu veux aller quelque part. Admettons que tu avais eu un problème là où tu étais allé. Hein? Comment allons-nous savoir? Oui, grand frère, tu nous as tous brisé le cœur. J'ai pleuré et pleuré jusqu'au point où je n'arrivais plus à pleurer. Dieu merci, tu es revenu. Oh, que tu es seul, oui, oh. Où est papa? Il est dans la maison. Papa? Nani. Allons le voir. Nani, grand frère, avant tout, pour aller retour. Je sais que papa est malade. C'est pas vrai. T'es sérieux? Ton fils est revenu. Oh, c'est pas vrai. Je sais pas ce que papa avec lui. Viens voir ton fils. Est-ce que je peux le voir? Lave-toi, tu vas voir ton fils. Nago. Nani. Nani. Nani, oh. Hein? Hein? Nani. 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 Dis-moi. Mon mari. Nani. Dis-moi. Nani. 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 Allons le voir. Maman. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je suis fini. Oh. Maman, qu'est-ce qui se passe? Nani. Allons-y. Nani. Maman. Non. Non. Mon mari. Maman. Mon mari. Oh. Nani. Non. Hein? Et bon, maman. Maman. Mon mari. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, réveille-toi. S'il te plaît. Nani. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, papa, non, non, hors de question. Il ne respire plus. C'est pas Nani. Possible. Nani. Papa. 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 Nani. Mon mari. Non, c'est pas vrai. Oh, mon Dieu. Papa. Papa est parti. Papa est mort. C'est pas vrai. Je suis fini. Bébé. Papa mourir. Non. Non. Nani. Papa. Cet après-midi. Cet après-midi. C'est bon. Nani. Nani. Je suis fini. Non, non. Non, non. Hors de question. Mon mari. Silence. Calmez-vous. Je suis fini, oh mon Dieu. Papa, tu n'es pas mort. Ce n'est pas maintenant. Je sais que ceci arrive pour ta gloire. Mon père n'est pas du tout mort.
Ce n'est pas possible. Papa! Je sais que tu entends ma prière là où tu es, papa. Mon faisceau. Mon faisceau. Mon père n'est pas mort. Oui. Oui, il n'est pas mort. Oh. Il n'est pas mort. Mon mari. Ce que je suis sur le point de faire, papa, tu l'as déjà fait auparavant. Et tu vas le faire à nouveau. Au nom de mon père qui est aux cieux, j'ordonne à mon papa de revenir à la vie. Amen. Papa, lève-toi. Amen. Papa, reviens à la vie. Tu n'es pas mort. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Au nom de Jésus. Papa, reviens. Reviens. Écoute ma voix et reviens à la vie. Au nom de Jésus. Papa, tu es en vie. Papa, tu es en vie. Tu es en vie, papa. Gloire à Dieu. Il est réveillé, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Non, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand. Mon Dieu, oh, alléluia. Amen. Le Dieu de guérison, le Dieu de miracles, le Dieu qui exauce nos prières, le Dieu vivant, oui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu vivant. Bon retour sur terre. Papa, hey, oui, il est là. Je suis là, hein, papa. Dieu vivant, oh. Mon Dieu est le Dieu tout puissant sur cette terre. Mon Dieu vivant. Dieu merci, oh. Hey. Merci, toute chose arrive, amen, pour sa gloire. Je, amen, prie aujourd'hui. Oui, amen. Que mon Père, amen, puisse vous bénir. Amen. Amen. Toute chose, amen, contre votre vie, oui, ne tiendra, amen, plus longtemps. Amen. Rien de mal ne vous arrivera. Amen. Il sera toujours, amen, là. Amen. Vous pouvez y aller. Amen. Papa, je suis de retour. Je suis de retour. Papa, viens accueillir ton fils. Je suis de retour, papa. Viens m'accueillir. Faites place, roi des jeunes. Le roi de jeunes. Papa, c'est comment? Et vous tous, voyez, je suis de retour. Ikenda, c'est bien moi. Que signifient toutes ces bêtises? C'est moi, je suis de retour. Je suis rentré dans mon pays. Ah, mais toi, mon cher, regarde-toi, tu as grandi. C'est comment? J'aime ta coupe de cheveux. Tu n'es parti qu'il y a 2 ans pour un programme de 4 années. Et te voilà de retour. Qu'est-ce que ça signifie, parce que Kemba? Je suis au pays et du tout, j'ai marre des études. Et papa, tel que tu peux les remarquer, je suis là. Tu as marre de tes études? Où est ton diplôme? Ne vous en faites pas, complet. Tu la fermes. Qu'est-ce que tu as à voir dans tout ça? Je crois que tu n'as pas compris. Oui, absolument tout a été fait. Maintenant, écoute, papa. J'ai les certificats que tu cherches. Le sang, la formation et tout ce que tu veux. Ton diplôme, même si ce n'est pas un bon papier, présente-moi ton diplôme. Igwe, papa, je suis les certificats que tu cherches. Tout ce dont tu as besoin est là avec moi. Je suis de retour. Je suis le roi des jeunes du royaume Omuyo, Real Altesse. Ikenda, pourquoi as-tu décidé de m'amener tous ces problèmes au moment où j'ai tout dépensé pour faire de toi quelqu'un d'important? Petite correction, papa. Je ne suis plus Inkena à partir d'aujourd'hui. Et vous tous, vous devez vous adresser à moi comme le vrai roi.
Ezeumuyo, le roi des jeunes. Premier. Et on est là, on reniera sur ces terres. Ça ne peut jamais arriver. Tu ne peux pas. Maintenant écoute-moi. Toi, viens ici. Reste ici. Et tu vas où? Reste là. Et vous tous maintenant, adressez-vous à moi comme le vrai roi, le roi des jeunes. Sa majesté du royaume, Umuyo. Numéro 1. Va-t'en. Le roi des garçons. Je suis de retour. Le roi des garçons. C'est quoi mon nom? Le roi des garçons. C'est quoi mon nom? Le roi des garçons. Laissez la musique jouer. Je suis de retour. Oui. Et que le spectacle commence. Je suis revenu pour redresser les choses. Le pasteur aveugle, ou je ne sais pas comment on t'appelle. Où es-tu? C'est quoi la signification de tous ces bruits? C'est quoi le problème? Cher pasteur, ou je ne sais pas comment on t'appelle, tu es allé bien plus loin que tu ne le pensais. Tu as eu le culot de frapper mes sœurs de l'aveuglement. Maintenant, remets-les à la normale. Sinon, je vais te frapper. Ne viens pas m'intimider ici. Si je veux qu'ils puissent voir, ils verront. Mais je t'interdis de faire du bruit. Quoi? Moi, Oudenebo, là, je suis en train de faire du bruit. Hey! Wabanso tena mumbu dene na meli anu meli. Imana wabanso tena mumbu dene na na tama mata. Wabanso, higa neli kaku kiga umleji sinkaku. Nkaku nesi, ite ya nesi. Na mumbu abude na weta duge yenyele. Yenyele, atam nyata, anya mumbu poge piam piam piam. Wabanso, oya! Garçon, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi c'est féticheur. Regarde-le. Il est tombé par terre. C'est bien fait pour toi. Si seulement je me lève d'ici. Je vais te frapper de l'épilepsie ainsi que de la grêle. Tu n'as pas honte. Toi, sale féticheur. Et là, tu continues. J'ai commandé maintenant qu'il te soit retiré la capacité de parler. Ça ne pas. Jamais. On s'en va. Partez d'ici. Allez-vous-en. Prenez votre affaire et partez. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il paraît que tu as les kilos de me barrer la route.
Qui es-tu? Tu démontres qui je suis. Igwe, mon nom est Oraka. Ebubedike. Buruburu. Premier. Igwe, je suis le fils de l'homme que tu as tué et a envoyé toute sa famille en exil. Je vois. Igwe, tu as envoyé sa femme et ses enfants en exil. Que diras-tu si je te disais qu'un de ses fils est rentré? Je vois, je vois. Et par la grâce de Dieu, il a eu beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Igwe, tu as tué beaucoup de personnes à cause de ton envie excessive du pouvoir. Tu as perdu beaucoup d'âmes parce que tu avais besoin de demeurer le roi. Je veux que tu saches ceci. Je serai l'un de ceux qui vont te détruire. Et tu suivras les chemins des autres. Igwe, je vais te discréditer dans ce village. Et j'utiliserai mon argent pour brûler ta maison. Je t'avertis. Jeune homme, je t'apprécie. Beaucoup de courage. Mais tu sais quoi? Tu es un fou. J'ai dit que tu es un fou. Maintenant, écoute. Je vais te tuer. La manière dont j'ai tué ton père. Je vais marcher sur ton corps comme des herbes. Igwe, tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Laisse-moi te dire que tu n'es rien. Absolument rien. Je ne ferai aucun deal avec toi. Aucun deal avec toi. Passe. Que tu n'es rien. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Absolument rien. Renseigner. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et je te préviens, Igwe, j'ai détruit ton royaume. Je suis roi de ces terres depuis des années. Et je sais comment te détruire. Tu le regretteras. Tant dans ce village est écroulé. Ta mission ici est achevée. Tu dois partir à Oumoué, ton village. Et tu as beaucoup à faire pour y arriver. Tu as été préparé pendant des années pour tes tâches. Et le moment est arrivé. Tu vas te lever et aller à Oumoué. Vas-y à Oumoué. Non mais qui es-tu? Je suis l'ange chargé de te protéger et de te guider depuis ta naissance. Je suis ton ange gardien. Lève-toi. Va à Oumouike. Le moment est arrivé. Allez où? Où est Oumouike? Ça c'est mon village. Dis-moi, que dois-je faire? Je peux t'entendre. Où es-tu? Mais où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Dabele! Je connais la raison pour laquelle je suis ici. Ogouté. Igwe. Laisse-nous.
La raison que je vous ai appelé ici, le frère, c'est qu'il y a du feu à la montagne. Papa, va tout droit au but, j'ai pas le temps. Il y a du feu sur la montagne. Est-ce la raison pour laquelle je suis ici? Il y a un jeune homme qui m'a barré la route. Il m'a vraiment traqué et je veux que toi, que vous deux, puissiez aller les filer. L'éliminer sur cette terre. Quoi? Quoi? Ça signifie quoi ça? Comment est-ce que cette histoire macabre me concerne? Je dis, toi et Obinan, cherchez-les, attrapez-les, prenez-les et anéantissez-les. Papa, écoute-moi. Votre père. Tu ne peux pas me traîner à adopter tes ennemis. Tes ennemis sont tiens. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Est-ce que tu me comprends? Cesse ton problème. Tu es en train de manquer de respect à notre père, le roi de ce royaume. Je suis content que tu aies dit le roi de ce royaume. Il est le roi. Je suis aussi le roi. Pour qui tu te prends? Revois ton ton. Et toi, fais attention aux prochains mots que tu vas prononcer. Parce que il pourrait être le dernier que tu puisses prononcer. Va te faire foutre. Calmez-vous. La prochaine fois que tu élèveras ta voix sur moi, ainsi dans ce royaume, les choses tourneront mal contre toi. Je ne peux pas combattre contre les ennemis de ton papa parce que j'ai pas d'ennemis. Je me suis fait comprendre. Obina, arrête. Je ne peux pas entrer dans ces conflits qui n'ont pas de sens. Tu m'as compris, monsieur? Espèce d'ordure. N'importe quoi. Désolé, père. Laisse-les. Ce que tu dis, mon fils, est vrai. Je ne suis pas ta mère biologique. Ta mère est morte pendant qu'elle t'a couché. C'est ma sœur qui t'a amené chez moi pour que je prenne soin de toi, puisque moi et mon mari, nous n'avions pas encore mis au monde. Nous cherchons un enfant. Je t'ai adoptée. J'ai pris soin de toi comme si tu étais mon propre enfant. Nous t'aimons beaucoup. Je suis désolée. Mais tu dois rentrer au village de Umueke. Tu dois y rentrer pour accomplir ta destinée. Et la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu dois partir. Non, c'est pas vrai. Grand frère, tu n'iras nulle part, ok? Tu n'iras pas. Non. Gabalou, maman. Laisse-les partir. Il doit y aller pour accomplir ce pourquoi il existe. Laisse-les aller. Dans ce cas, j'irai avec lui partout. Grand frère, je partirai avec toi. Non, Dalo Tchoukoumam. Laisse-les aller, s'il te plaît. Ne le retiens pas. Je vais partir ma avec fille, toi, grand frère. Tu ne peux pas partir avec lui. Non, non. J'irai avec lui, papa. Non, j'irai tu avec peux lui. Pas. Non, tu ne peux pas partir avec lui. Maman. Papa, laissez-la partir avec moi. Je vous en supplie. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Je crois que les choses doivent être claires. Oh, tu sais, faire de l'argent, ce n'est pas juste. Hein? Charles, s'il te plaît, va un peu au portail. Qu'est-ce qui frappe comme ça?
Mais qui êtes-vous? Allez, bouge de là. Pour qu'est-ce que tu te prends en toi? Qu'est-ce qui te prend, jeune homme? As-tu demandé à ton père avant de perquisitionner ma maison? Ton père, le roi, n'a pas pu me tuer. À combien plus forte raison toi? Toi, mon frère, et qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu n'as pas du tout le droit de perquisitionner la résidence de mon partenaire et poser un acte stupide comme celui-ci. Prends ton temps. Ne répète plus jamais ça. Cet idiot ici présent a insulté mon père. Et il mérite de mourir. Et je suis le roi. La vraie majesté. Le roi des jeunes. Omuyo Domuike. Je me tiens ici pour te dire que tu dois partir. Quitter dans les secondes qui suivent. Dis à ton père que moi et Bobé Dike, je le considère comme un homme très cruel qui fait partie aux organisations du diable. Et toi, tu es un petit monsieur. Maintenant, prends en compte ces petits conseils. Prends tes deux ordures qui ne sont capables de t'aider à absolument rien. Et sortez. Je ne veux pas que les choses te tournent très mal. Sors. Tu n'as absolument aucun droit de te mettre en travers de mon chemin. Pareil pour cet idiot ici présent. Je vais partir. Et on se reverra à nouveau. Les gars, partons maintenant de ce trou à rats. Mais tu n'arrives pas à comprendre que la rivière dans laquelle tu prétends nager est beaucoup plus profonde que toi. Que signifie toute cette folie? Ça signifie quoi? La signification de cette folie, c'est le résultat de ce que ton fils stupide, est venu faire dans la maison de mon ami. Ikena, comment oses-tu déplacer ce genre d'insanité et en présence de ton père, Igwe Biogana premier du nom? Oh non, encore un mot! Qu'est-ce que tu dis? Encore un mot venant de toi. Tu le regretteras. Moi. Je vais te réduire en cendres. Quand je parle, tu te tais. Ikena. Ikena. Ce n'est que par simple ignorance que le chat s'engage à affronter un éléphant. Et ça s'appelle de la folie. C'est bien évident que tu n'aies absolument aucun sens du respect pour notre père ici, le roi. Ton souffle me fait penser à la mort. La même mort qui te tuera très bientôt, mon cher frère. Je ne suis pas ici pour toi, mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton père et le roi des vieux. Le roi de ceux qui sont passés.
Et moi, je suis le roi de jeûne, la vraie majesté, Ezomuyo. Ezomuyo. Qui t'inclut aussi. Je vois. Inkenda. À cause de cette chose que tu as soudainement trouvé bien, tu as vraiment choisi de venir m'attaquer. Igo Bidigo Gada, en ce qui me concerne, premièrement, je n'ai pas ton niveau. Mais je peux te dire ceci. Tu peux attaquer ceux qui ne savent pas se tenir, mais pas moi, car je peux facilement te faire du mal. Tu n'es rien comme de la cendre. Je suis sûr que pour toi, notre mort était normale et que ma vie était insolite. J'ai survécu abandonné à mon sort. Mais je vais te dire que le pouvoir a changé de camp. Et tu ne peux rien. En ce qui te concerne, toi, tu es venu dans ma maison avec une arme. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Garde ton souffle. Et tu ne peux rien. En ce qui te concerne, tu n'as pas besoin de dépenser ton énergie en leur parlant. Tu es venu dans ma maison avec une arme. Tu as compris? Tu ne sais pas à qui tu as. Parce que ce que tu ne connais pas, vieil homme, c'est que cet homme a plus de valeur pour moi, plus que toi et toute ta famille. Inkenna, tu as tué mes dieux. Igwe, ou peu importe comment tu te nommes, je peux te prendre et t'anéantir maintenant. Je peux aussi prendre ton stupide Onou sans dire un mot. Je peux aussi prendre ton fils, si le prix est celui-là. Mais en fait, vous tous réunis ensemble, vous n'êtes pas ce que je veux. Je suis le roi de jeûne du royaume Umuyo. Et il est temps pour moi de saisir ma chance. On s'en va. Moi, ça, on est arrivé. Oui. Grand frère, nous sommes à l'entrée du village. Alors, par où est-ce qu'on va aller? Il y a beaucoup de ténèbres dans ce village. Ah, partout. Ah, te voilà, tu recommences. Ah, il n'y a pas d'obscurité, on est la journée. Ma sœur, tu vas comprendre. Entrons dans le village. Allons. Attends. Allons. Ça va? Bien. Oui.
Qui es-tu? Et qu'est-ce que je suis venu faire dans ce village? Nous sommes en train de chercher un endroit pour y vivre pendant un moment. Je suis désolé. Les étrangers sont interdits dans ce village. Pourquoi? J'ai l'ordre venant de Ligwe. Et d'ailleurs, ce village n'est pas habitable pour les étrangers. Et comme conseil, il faut aller dans un autre village. Ok. Allez, doucement, ma fille. Vas-y doucement, hein. Doucement. Ils sont des étrangers. Leur fille est très malade. Il serait mieux que tu pries pour elle. Peut-être qu'ils vont nous donner une place. Elle souffre de quoi? Je ne sais pas. Mais demande-leur. Mon oncle? Oui. S'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille? Elle a été paralysée depuis son enfance. Arrange-toi. Où est sa maman? Je suis là, monsieur. À 6 mois de grossesse, tu avais eu une attaque. Oui, tu avais été combattu. Oui, voilà la raison pour laquelle elle est comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Dieu va résoudre tous ses problèmes. Et où est-elle? Dans le nom de Jésus. Amen. Sors. Sors. Qu'est-ce que c'est? Maman! Hey! Ma fille! Hey! Seigneur, merci! Hey! Mon Dieu, viens! Ma fille! Hey! Hey! Tu es la bienvenue dans ma maison. Allah, Votre Majesté, je vais dire que la prophétie des 40 ans passés s'accomplit à ce jour. Exact. Le pire se trouve déjà devant nos portes. Nous avons fait tout ce pourquoi nous avons été appelés. À un moment, je me suis demandé ce que je n'avais pas bien pu faire. Qu'est-ce qui s'est mal passé? La main qu'il a tenue est très forte. Et cette force augmente de jour au jour. Oui, ça c'est vrai. Mais laissez-moi m'excuser. Toi, tu es les dieux de l'Est. Tu n'es pas supposé de dire ça pour nous. Tu n'es qu'une partie des dieux. Je pense que nous devons tous déployer tout ce qui est en notre pouvoir. Pour le tuer maintenant, parce qu'il se rapproche vraiment de nous. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Vous avez raison, Igwe. Vous tous, je veux que vous tous puissiez rentrer dans vos temples et attaquez-les immédiatement. Mais où est-il? Où est cet homme en question? Il est installé chez Ndoka. Il est dans ma territoire. Ok, cela signifie que la guerre vient de commencer. Kudoka a désagréé nos terres. Il a invité les étrangers, les deux dans sa maison.
Ndouka m'a dit que l'étranger a des grands pouvoirs. Il peut guérir. Donc tu as rejoint l'ennemi de notre terre. Non, c'est seulement ce qu'il m'a dit. Quel autre pouvoir est bien supérieur que le pouvoir de Ofaga, le grand protecteur? N'importe quoi. Messieurs, ai-je besoin de vous dire, vous tous vieux fous, que vous êtes supposés me saluer, vous prosterner devant moi comme le vrai roi, la vraie majesté, le roi de Gênes d'Oumouyou. Ai-je besoin votre attention? Ça, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Bien. Je veux vous dire tous que je veux faire usage de ce trône maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Vieux homme, il est mieux que tu puisses te tenir debout en présence de tes hommes, tes vieux sages, ton cabinet de fous. Et réaffirmer ta position pour que je me mette sur le trône. Haro, Ikenna, ceci est un sacrilège. Haro, aïe! Au dieu de nos ancêtres, bien, Ono. Je te mets une fois de plus en garde. Quand je parle, tu te tais. De vieux comme toi ne peuvent pas parler. Maintenant, vous tous, agenouillez-vous devant moi. À genoux? À genoux. Je peux même m'allonger complètement. Oh mon œil, j'ai très mal. Dieu de nos ancêtres, pourquoi moi? Pourquoi? Kenna, lorsque les dieux veulent te détruire, ils vont premièrement te rendre fou. Tu es en train de devenir fou. Vieil homme, je ne compte plus me répéter. Alors pour une dernière fois, debout et sors de cette salle. Maintenant, j'ai dit que tu es fou. Sors de cet endroit. Maintenant. Sortez ces messieurs d'ici. Sors. Hé, restez là. Onoula, appelle-moi par mon titre. Ezumuyo, roi des jeunes. Reprends ça, sa majesté Ezumuyo, le roi de Mouike. Son Altesse royale. Ezumuyo, le roi des jeunes. Voilà. Sortez! He's a child of destiny. He was born for this purpose. He's a child. C'est quoi le problème? Un esprit maléfique est apparu devant nous. Pendant 40 ans, je t'ai cherché partout. Et maintenant, je t'ai dans ma paume de main. Je veux me charger de toi comme je veux. Je ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux de moi. Et ce que tu veux, tu l'auras. Ces royaumes et tous ses habitants sont sous mon contrôle. Qu'est-ce que tu fais dans mon territoire? Je dirige tout l'univers. Et je décide où est-ce que je vais. Disparais maintenant. Ces territoires, tout entier, est à moi. Je suis une infiltrée. Disparais maintenant.
Je suis Yako, la déesse de l'Est, la déesse des eaux et des vagues. Minirahuhu, je n'ai pas de limite. Je ne peux pas être stoppée. Je suis Nemo, la déesse de l'Ouest. Je suis celle qui contrôle les éléments célestes. Tu as dépassé les limites. Pars maintenant, sinon... Comment oses-tu? Qu'on fasse quelque chose, nous allons mourir. Dans le nom de Jésus, vous deux, arrêtez. Arrêtez. Grand frère, elle s'approche de nous. Quel côté? De tous les deux côtés. Jésus! Mon Dieu, mon Dieu. Ils sont partis. Ils sont partis. Hey! Chiii! Yako! Ha! C'est vraiment moi? Kava! Eh, si ma vie, j'ai bon! Adieu, mon couvreur! Igwe, comment oses-tu? Comment oses-tu? Akita kukunkule, kuyada. Lève-toi, lève-toi. La nuit est sombre, plus de mal, plus de bien. Écoute attentivement. Tu dois emmener la maison de la maintenant. Il y a un danger. Prends également avec la maison de la maison des Ibekwe. Aucun wa et menounyo. Vous tous devez partir ce soir. Il y a un danger. Absolument tout sera dangereux. Le Igwe s'est résolu à détruire tout ce temps pour avoir été de t'aider. Vous devez tous partir maintenant. Oh, Ironon. Allez-y. Cachez-vous dans la brousse à côté de la ville et attendez jusqu'au matin. Débéré, viens vite, il y a une urgence ici. Grand frère. Viens d'abord. Grand frère. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Nous quittons cet endroit maintenant. Pourquoi maintenant? Pour aller où? Apaise-toi. On doit partir maintenant. Oui, Ndoka. Enfant, s'il te plaît, je suis fatiguée. C'est la nuit. J'ai pas de force. Où tu veux que nous mourions dans peu de temps? Tu dis? J'ai pas envie de mourir. Il faut qu'on parte. Tu as dit maintenant. Ndoka est où? Partons. Lève-toi. Oui. Pasteur, je n'ai pas peur des Igwe. Ça, c'est la maison de mon père. Je ne peux pas quitter ici. Et aller ailleurs. S'il y a quelqu'un qui veut venir me rencontrer ici, voir le diable, je veux l'attendre.
Mais Sianduka, sauve-toi et sauve ta famille, s'il te plaît. Nous ne partirons nulle part. Je peux protéger ma famille et moi-même. Mon oncle, alors pourquoi ne pas laisser ta femme et ta fille venir avec nous? Ça sera un signe de faiblesse. Je ne partirai pas. D'accord. Allons-y. Que Dieu soit avec toi. Amen. Qui te protège. Amen. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Hé, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là-bas. Vous cherchez quoi? Voilà, il est à vous, boss. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison à 7h de la nuit? Cela est-il supposé être une question? Où est ce pasteur? Tu n'as pas le droit de venir dans ma maison à 7h de la nuit pour chercher mes visiteurs. Islake, un seul mot, patron, et je le descends tout de suite. Cet homme n'arrive vraiment pas du tout à comprendre mon langage. C'est vraiment n'importe quoi, boss. Les gars, allez à l'intérieur. Emmenez-moi le pasteur, ainsi que cette fille. Ils ne sont pas ici. Alors tu le paieras de ta misérable vie. Avance. Mais pourquoi tu me pousses? Hey, laisse-moi. Avance. Lâche-moi, s'il te plaît. Oh, je refuse. Oh. Madame, avancez là. Vite. Allez, vas-y, grouille. Silence. Où est ce pasteur pour la dernière fois? Je ne sais pas. Femme, où est le pasteur? S'il te plaît, ils sont partis cette nuit. Ils sont partis cette nuit. Vraiment? Et où est cette enfant miraculeuse? C'est elle. Elle est là. Oh, très bien. Magnifique. Oh! Silence, madame. Ferme-la. Un mot de plus et tu es morte. Silence. Silence, madame. Abouchoukou et Abere, s'il vous plaît, quittez chez moi. Je vous supplie de quitter ma maison. Madame, s'il te plaît, qu'est-ce que nous avons fait de mal? À cause de vous, j'ai perdu mon mari et mon enfant. Je vous en prie, s'il vous plaît, partez. Je vous supplie de quitter ma maison. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame. Écoute. Je sais que tu es un vrai homme de Dieu, mais les nombres qui sont dans ce village sont très durs, s'il te plaît. Je ne saurais plus vous garder ici. Ne te dérange pas. Egbere, va prendre nos affaires et puis on va partir. D'accord. Ok, d'accord. Okay. Calme-toi. Un enfant qui dit que sa mère ne dormira jamais ne connaîtra jamais le sens du vrai sommeil. Ce n'est que sur la voie de l'ignorance qu'un doigt est utilisé pour pointer un danger en mouvement. Cher frère, te voilà aujourd'hui face à face avec ta perte. Tais-toi, malade! Tu dois apprendre à t'adresser à moi proprement. Je suis le roi des jeunes. Le roi des jeunes. Le roi des jeunes qui... Tu dois apprendre à t'adresser au roi
de la manière qui lui est destinée. Laisse-moi te dire quelque chose. Aussi longtemps que je demeurerai le roi des jeunes, le roi des jeunes de Zumuyo, qui t'inclut toi, car tu n'es rien d'autre qu'un doigt dans le corps. Un jeune comme toi ne peut pas être contre moi. Ne permets jamais que cela se répète encore. Tu sais quoi? Il n'y a rien d'autre que la mort qui n'arrête pas d'appeler. Et c'est parce que l'enfant n'est pas du tout assez géant pour voir ce qui se passe au-delà de la parcelle de son père. Car pour lui, il n'y a aucune autre parcelle à part celle de son père. Tu es un fou. Mon père est le leader suprême de ce royaume. Pas un inconscient. C'est ce qui fait de toi le premier fou. Ça te rend plus fou que moi. Parce que ce que tu ne sais pas est que ton père est un bâtard. Un imposteur. Je suis le roi des jeunes. La vraie Altesse, Zumuyo. Que tu l'aies voulu ou pas, les gens comme vous sont mes sujets. Comment oses-tu appeler mon père un bâtard? Parce que c'est ce qui est très vrai. Très bien. Ceci est ton arrêt de mort. Regarde-toi. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Alors que je pensais que tu étais un homme. Pourtant, tu n'es qu'un petit garçon. Et tu penses que c'est facile de faire n'importe quoi avec moi. Tu te trompes. Mais laisse-moi t'enseigner une dernière leçon. Quand un enfant passe tout son temps à parler du succès, il gagne le prix de la peur. Maintenant, prends ça. Tu y es très petit, mon frère. Quand tu ne sais pas comprendre lorsqu'on t'interdit, je vais t'enseigner une leçon que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Je veux vraiment, sincèrement te remercier d'avoir guéri ma mère. Tu sais que je ne pouvais pas revenir ici pour l'amener à l'hôpital vu là où j'étais. Mais heureusement que tu as fait que tu sois là. Alors, j'ai décidé de revenir au pays. Et j'ai entendu dire qu'il y a un grand prophète ici dans la ville. J'ai décidé de revenir. Et c'est pourquoi je suis là. Mon frère, et il y a du ténèbre. Et du ténèbre dans ce village. Et nous sommes là pour les stopper. Et nous devons les stopper. Mais à part ça, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et vivre dans une telle maison. Et est-ce mauvaise? C'est plus que ça même. Nous ne sommes pas permis d'être abrités quelque part. C'est lui qui nous avait donné où habiter. On l'a tué. Même toi, je suis vraiment surpris que tu sois encore en vie. Dieu est avec nous. Amen. Bon, je comprends. Dans ce cas, je reviens demain. Demain, je vous donnerai l'endroit où habiter avec ta sœur. Comme ça, vous allez rester là-bas pour un moment. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Moi, je m'en vais. Merci, moi, je Dieu. M'en vais. Mais avant que je ne parte, prenez cette, prenez ça. Merci. Oui. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Il n'y a pas de que quoi. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Que mon pas Dieu quoi. Te bénisse. Amen. Je vous dirai un truc. Il n'y a rien que je puisse vous donner qui a vraiment la valeur de ce que vous avez fait. Bon, moi je m'en vais déjà. Ok, soyez préparés, préparez-vous bien, beaucoup, je viendrai monsieur. Demain pour vous prendre, ok? Que Dieu vous accompagne. Amen, amen. Partez en paix, monsieur. Amen. Hey. Merci, oui. Prends ça. Hey, confrère. Confrère.
Doucement. Alors, nous y voilà. Avanti, je veux dire, désormais, ta sœur et toi resteraient ici dans cette maison. Dès à présent. Oui. Je suis impatient de voir ça. Au lieu que ta sœur et toi restiez dans cette maison inachevée. Non, 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 je n'aime pas. Alors, dès aujourd'hui, voici chez vous. Hey! Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Et à part ça, je vous paierai 100 000 chaque mois. Hein? Oui. Hey, grand frère. Merci. Je vous en prie. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Nous pouvons aller nous asseoir là-bas au salon pour que je vous offre un peu à boire. Ok, au moins. Ok. Mon oui. Dieu te Amen. Bénisse. Amen. Il y a une sérieuse conspiration contre nous. Je ne saurais me tenir devant eux deux. Ado a réussi à influencer Oden Djendje contre nous. Ils ont réalisé beaucoup de sacrifices humains. Tu dois quitter ce village maintenant. Jusqu'à ce que je finisse avec la fortification et la purification. C'est alors que tu peux retourner. Quitter ? Où irais-je ? Tu dois aller en exil. Sinon, nous périrons, moi et toi. Tu dois quitter maintenant. Le combat a pris une autre allure. Pars. Pars. Oso naro bobo jere. Obi ubiako. He's a child of destiny. He was born for this purpose. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Si, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux ton aide. Qui es-tu? Je suis le fils de Igwe Ibedebi Ogada. Oui, l'un des fils. Ces méchants messieurs. Je vois, c'est Inkena. Oui. Oui, c'est quoi le problème? S'il te plaît, mon frère et ses gangs sont derrière moi. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Écoute, tout ce que j'avais comme pouvoir, toutes les fortifications m'ont abandonné. Écoute, je suis vraiment dans le pétrin. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que ça va? S'il te plaît, je veux ton aide. Hein? Tu y es couvert par le sang de Jésus. Amen. Personne ne va te tuer. Amen. Suis-moi seulement. Le Seigneur est avec nous. Oui. Oui, suis-nous. Personne ne va te tuer. Le Seigneur est avec nous. Suis-nous seulement. Suis-nous. Rien ne va t'arriver. Inkena, tu es spirituellement recherché par ton père et sa bande des esprits. Et c'est lui qui protège ce village, il va mourir. Mais que ferais-je? Honnêtement, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Et tous ces dieux ici que j'ai servi m'ont déçu. Aide-moi vraiment à sortir de cette impasse. J'ai vraiment besoin de ton aide. Le fétiche finisse par échouer. T'as besoin de Jésus. La personne dont tu as besoin, c'est Jésus. Jésus? Est-il puissant? Les plus puissants même. Iken, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils sont nos ennemis. Je suis venu te prendre. C'est comme tu peux voir.
Je suis de retour du monde des esprits. Je suis pleinement fortifiée et prête. Viens avec moi. Oh non, 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 arrête avec ces bêtises. Je ne pars nulle part avec toi. Tu vois, cet homme, je suis avec lui. Il est très puissant. Il est très capable de défaire mon père. Je n'irai nulle part. Et tu vas garder tes pouvoirs pour toi-même. Laisse-moi calme. Tu veux quitter maintenant ma vie. Ne m'énerve pas. Du n'importe quoi. Inkena, pas moi. C'est Jésus qui va le défaire. L'aveugle. Est-ce que tu réalises qui est devant toi? Je suis Nemo. La déesse de l'Ouest. Celle qui contrôle les éléments célestes. J'ai tué et épargne à mon gré. Aucun humain défie mon autorité. Il est mon sujet. Je ne suis pas ton sujet. Je ne le suis plus. Il n'est pas ton sujet. Il est libre, couvert par le sang de Jésus. L'aveugle, tu tentes ma patience. Partons d'ici immédiatement. Femme, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il n'y a pas moyen. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Dans le nom de Jésus, je te commande. Va-t'en! Va-t'en! Hein? Vous allez bien? Inkena, vous allez bien? Inkena, lève-toi. Comment est-ce que la grande Nemo est tombée? Où est donc ta fierté? Où est ton pouvoir? Il est Nguata. C'est comme ça que je t'appelle. Regarde-toi. Mystique, je ne peux rien faire. Mais vas-y, montre-moi ton pouvoir. Tu n'es rien du tout. Nemo, regarde très bien le couteau qui va te morceler. Est-ce que tu le vois? Tu vas mourir comme une poule. Tu vas vraiment mourir comme une poule. Nama Mouvash! Ah! On y a un boulot. Mais sois bien. Je suis l'eau qui escalade les collines et les montagnes. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Oui. Seigneur, qui est-ce? Hugo? Oui. Oh mon Dieu! Oui. Seigneur! Inkena! Est-ce vrai? Est-ce vrai? Oh mon Dieu! Seigneur! Pourquoi ça, mon Dieu?
L'enfant est là-bas. Oui. C'est eux. Oui. Oh, non. Hey! Qu'est-ce qui arrive dans ce village? Pourquoi sont-ils très méchants? Hey! Hey, oh mon Dieu! Donnez-moi la cendre. Donnez-moi la cendre. Ok. J'ai besoin de la cendre. J'ai besoin de la cendre. Pourquoi sont-ils méchants comme ça? J'ai besoin de la cendre. Je l'ai. Mon père, si ce que tu m'avais dit est vrai, je t'appelle maintenant. Maintenant, je déclare et prophétise. Tout celui qui prend plaisir en tuant toute cette famille, avant 24 heures, qu'il puisse mourir. Amen. J'ai dit qu'il puisse mourir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Hey, ils ne vivront jamais la paix. Ils n'auront jamais la paix. Quelle méchanceté. Quel monde méchant. C'est pas vrai. Non. Quand le gouvernement m'a appelé et m'a parlé du contrat, je leur avais dit ceci. Cependant, il est vrai que je suis un ingénieur en communication. Mais j'ai comme l'impression de tout maîtriser bien. Je suis un polyvalent, le maître de tout. Igwe, ce qui compte le plus, c'est l'argent. Le talent. Ah, mais oui, d'accord. S'il te plaît, garde un œil sur ça. Oui, j'arrive, s'il te plaît. En tout cas. Très bien. Regarde. D'accord. Omekanea. Oh, no. Le prince de tous les garçons de ce royaume. Tu peux le dire encore. Est-ce que c'est toi qui es le vrai roi des garçons? Et non, c'est... Ah oui. Cet idiot-là qui se fait passer pour le roi des garçons. Ce n'est pas lui, c'est toi le vrai. Ah, hey. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mon prince, dis-moi un peu, combien d'argent va être impliqué dans cette opération? Selon les ententes que nous avons pour cette opération, tu vois. D'après notre source fiable, oui, il a dit que ce putain de van va transporter 350 millions. Attends, essaye de répéter un peu, j'aime entendre les sommes d'argent. J'ai dit que le van en question va transporter 350 millions. Quand j'entends des choses comme ça, j'ai vraiment la force. J'ai beaucoup de force, moi. Ouais. Beaucoup de force. J'entends. Ça me donne beaucoup de force, mon prince. Tu vois, beaucoup de force. Igwe, je vous dis, après cette opération qui va réussir, mon nom va changer de Onowu ordinaire pour Onowu Mili Mili. J'adore ça. Onowu Mili Mili. L'argent est bon. Mon fils. Tu y es mon fils. Tu partiras en paix. Aucun autre mauvais esprit te fera du mal. Notre moment de manger sera celui de parler de J'ai des armes. Attention. qui est là? Ah, roi des jeunes. Ezumuyo. Regarde ce à quoi la vie t'a réduit. Un simple servant pour... ce misérable, pauvre et vieux fou. Tu sais quoi? Je vais faire du business.
et à partir de demain, je serai riche de 350 millions, mon cher. Toi ainsi que ce pauvre vieux fou, vous pensez que rien ne peut vous arriver. Eh bien, il se trompe, mon roi. Un couteau ne peut pas du tout pénétrer votre corps. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Roi des misérables, roi des mauviettes et de n'importe quoi. Sache que quand je vais revenir, tu auras ta sentence. Et ce sera même ta fin. Il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Maintenant, écoute-moi très bien, pauvre vieux fou. Je suis l'héritier au trône. Je suis le roi de ce royaume. Absolument rien ne pourra m'arriver. Toi, tu n'es rien d'autre à part un véritable étranger. Je ne suis pas un étranger. Cette terre est aussi mienne. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai peur. Laissez-moi voir ce qui va se passer au moment même où je reviendrai. Ezumuyo. Je te préviens que tu ne vas pas revenir. Oh, désolé. Allons-y, okay. Les gars. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Est-il parti? Abogo? Il est parti, grand frère. J'étais entendu dire que tu es de ce village. Oui, je suis de ce village. Je suis de ce village aussi. De quelle parcelle? De quel clan? L'esprit m'a dit que je suis d'ici. Et je crois à la voix de l'esprit. L'esprit de Dieu t'a dit que tu es d'ici. Je vois. Est-ce qu'on peut encore chanter? Continuons. Iyako. C'est comme ça qu'on t'appelle. Hey. Iyako. Une grande femme. Iyako. Hiyako! Hiyako! La déesse de l'Est. La déesse des eaux et des vagues. La grande rivière. Et de l'eau qui escalade les collines et les montagnes. Milinaliubu nekumanya. Mimi ngona milinaliubu. Mi onya ngake ino ibonono. Milinaliubu. Ana bro mpempem mili. Mba nono. Ana bro mili simugu amada. Mba dadada ombagum. L'auteur de l'énergie et des forces. Iyako l'auteur de l'énergie. Iyako l'auteur de force. Oui. Ayez grand frère foin. Je vois quelque chose de très positif. Oui, dis-moi c'est quoi. Chalou chalou. Cette opération connaîtra un très grand succès. Hein? Je le savais bien. Je le savais bien. C'est déjà un succès. Ah. Beaucoup d'argent. Quoi? L'argent? Beaucoup l'argent. D'argent, je dis. Hey! Sur ton chemin. Hey! Qu'est-ce que tu me dis comme ça là? Hein? J'aimerais l'entendre encore. Écoute-moi très bien. Je l'argent. Vois vraiment beaucoup d'argent, je te dis. Il y a beaucoup d'argent sur ton chemin. Oui. Je te peux dis la vérité. Je peux les sentir. Hey! Ego. 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 Je vois beaucoup d'argent sur Ego. Ton chemin. Ego. Il sait, en fait, c'est ça. Comment ça va? Après, on t'a coché. Il y a que le mouet. Hein? Milina Liubu. On bagne go, on bagne l'or.
Votre Majesté, il est évident que notre fin s'approche vraiment très très vite. Et ce qui m'inquiète encore le plus est que nous n'avons pas de fils qui vont vivre après nous. Même pas un seul fils. Ça, c'est notre fin. Jamais. Ça ne peut jamais arriver. J'ai dit jamais. Gubunse et Belidouag Gadja 1 de Oumouiké. Je ne peux jamais vivre et permettre ça. Ono, tu as vraiment raison. Obubagu est le petit-fils de notre grand roi. Voilà, il devrait être enterré avec au moins les têtes de cette femme. Exactement. Ah, jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Laissez-les aller seuls. Laissez Igwe finir comme ça. Ça n'arrivera pas. Cette réunion est faite pour les individus de cette terre, pas pour les étrangers ou prophètes. Je suis pas étranger, je suis bel et bien enfant de ce village. Ne viens parler de n'importe quoi ici. C'est ce que demande notre tradition. Notre Igwe l'a bien dit. C'est ça la tradition. Ça se fera comme ça. J'ai dit que ça n'arrivera pas. Oui, ça ne peut pas. Jamais. Non mais, en fait, on continue. On va continuer. On va faire ça. Hein? C'est quoi ça? On va continuer. Allons. Ces gens que vous voyez ici sont parmi les grands représentants des dieux ici sur Terre. J'aurais besoin de deux têtes de femmes, ainsi que un bouc et 250 000 liras pour acheter les éléments nécessaires. Ok, très bien, on donnera. Et j'aurais besoin des parties intimes de 3 vierges, 2 rats, 3 poulets locales et 150 000 liras. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Et j'aurai besoin de 2 garçons et de 2 jeunes filles. Et 50 000 naira pour le sacrifice. Ok. Et j'aurai besoin d'une jeune femme qui n'est pas encore mariée. Et qui n'a jamais eu d'enfant bien avant cela. Ainsi que 100 000 naira. Et aussi un bouc. Une vache. 2 boucs et 4 noix de cola et 100 000 naira. C'est tout ce dont j'ai besoin pour les rituels. Les grands maîtres, je vous donnerai tout ce que vous avez demandé. Oui, et pour mettre fin à cette oppression. Je veux que ces pasteurs stupides meurent de manière à ce que j'ai le temps de régner sur mon royaume. Votre Majesté, vous pouvez en être sûr. Nous sommes ensemble dans tout ceci, parce que telle est la volonté des dieux. Cela sera un succès. Is it true? Debere, réveille-toi s'il te plaît. Debere, lève-toi d'abord, lève-toi. Fais vite, lève-toi. Il y a un grand danger dans ce village cette nuit. Beaucoup de gens vont disparaître cette nuit. Igwe et ses hommes vont kidnapper beaucoup de gens pour leur rituel. Nous allons contourner ça. Réveille-toi. Va réveiller Ingena. Allez à la maison de Okochukwu, la maison de Demba, la maison de Chozoro, tous les autres.
Allez là-bas, allez leur dire de se cacher où ils peuvent parce que quelqu'un va mourir. Hey, oui, je t'ai dit, quelqu'un va mourir. Jamais. Maintenant, enfin, pas. Non, 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 je prie. Okay. Pas seulement. Prie. Non, non, moi, je dois rester prier. Ah, ce village est très dangereux. Hey. C'est très dangereux. Réveille-les, demande-lui de te suivre. Dieu est avec nous. Ils vont perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple dehors, Igwe, devient complètement fou. Ils ne veulent plus rien entendre. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment difficile de croire que tu n'as même pas trouvé, que tu n'as même pas trouvé une seule personne. Tu n'as même pas trouvé une seule personne. Exact. Laisse ces villages. Hein? Va dans d'autres villages. Va ailleurs et prends n'importe qui. Hein? Même s'ils fuient, prends-les. Et surtout, ne reviens pas ici sans aucune excuse. Va dans le plus profond là. Est-ce que tu m'as écouté? Maintenant, pars. Ne reviens pas ici les mains vides. Ne reviens pas sans un bon résultat. Tu m'as compris? Votre Majesté. Notre problème, c'est ce pasteur. Iyak! 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 On a gagné tout. Iyak! Iyako Kambo. La déesse de l'Est. La déesse des eaux et de vagues. J'escalade les collines et les montagnes. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Je te représente. Je me tiens devant toi et j'appelle la pluie. J'appelle la pluie. Que la pluie descende. Oh mon gola. Minerali. Mili amaka. Nenu kona na. Onye si na mili adro manya ji awu go maka na owu ichi. Aha. Aha. Oui. Igwe, la déesse de l'univers a accepté ton sacrifice. Oui. Et pour l'aveugle, cet aveugle est mort. C'est balaba. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, c'est le jugement. Aujourd'hui, c'est le jugement. Les jours de la vengeance. Le voilà. Comme tu ne veux pas de notre existence, je vais te détruire. Iyako, la déesse de l'Est. Iyako est mon nom. Elle paraît beaucoup trop en forme aujourd'hui. La déesse de l'Est. La déesse des eaux et de vagues. Menelanyuwa. J'escalade les collines et les montagnes. Je n'abandonne jamais. Toi là, tu vas voir. Grand frère, qu'allons-nous faire maintenant? Oui, on va faire. Vous dégoûter.
Quittez, quittez, quittez. Tu ne peux pas me détruire. J'ai été envoyé dans son village pour libérer les captifs et apporter lumière où il y a le ténèbre. Toi, un homme aveugle. Ok, moi. Mille à l'youbou. Ikoukou n'a fait fait. D'accord. Achève cet homme. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Regardez-le. Un aveugle ordinaire. Le pauvre aveugle. M'as-tu demandé de les détruire? Finis avec lui. Que je le termine. Fais encore mieux. Brûle-le. Je m'accorde à ses paroles. Oui. Reçois. Femme, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais au nom de Jésus, sois brûlé. 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 Hé, hey, Igwe, ne restons pas là. Allons-en. On y va, on y va. Peuple de ce royaume, ouvrez bien vos oreilles, oh! Ceci est un message du Ezemo ainsi que du Igwe. Ode Jinji aura bien lieu demain. Donc tout le monde est censé rester bien chez soi. À bon attendeur, salut! Peuple de ce royaume, prêtez bien vos oreilles, oh! Ceci est un message du Ezemo ainsi que du Igwe. Ode Jinji aura bien lieu demain. À bon attendeur, salut! Qu'est-ce qui se passe? Ndamere? 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 Lève-toi, Ndamere! Remets-toi. Viens m'accompagner vers les fins fonds du village. Je veux être loin maintenant. Kafu? Maintenant. Attends, grand frère. Sais-tu ce que ça veut dire aller au carrefour du village à cette heure de la nuit? Hein? C'est trop, grand frère. Et je suis fatigué. Ça, ce sont les instructions des dieux. Allons-y. Ne t'en fais pas. Allons-y. Allons-y. Rien de mal ne nous arrivera. Je suis fatigué. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Allons-y. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tiens-moi juste. Rien de mal ne nous arrivera. Sois calme. Sois juste calme. Rien de mal. Sois calme. Grand frère, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai pas envie qu'il te tue. Je ne vais pas te perdre. S'il te plaît, rentrons. Pardon, je t'en supplie. Soyez calme, rien ne m'arrivera. Ils vont te tuer et j'ai pas envie de te perdre. Je suis en train de t'en supplier. Rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Ça a toujours été le cas que rien ne t'arrivera. Je sais que rien ne t'arrivera. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Écoute-nous. Écoute. Le grand Oden Jinji, c'est un esprit. C'est pas un humain. C'est pas comme Yako. Pas un Nemo. C'est un esprit qui n'a pas de pitié. Pardon, je t'en supplie. Si quelque chose t'arrive, je suis fini. Je suis foutu. Un esprit qui n'a pas de bouche ne peut pas parler. Qui n'a pas d'oreille ne peut pas entendre. Qui n'a pas Dieu ne peut pas voir. Ne me découragez pas, laissez-moi partir. Le Seigneur est avec moi. Rien ne m'arrivera. Allez à la maison, attendez-moi. J'arrive. S'il te plaît. Allez à la maison, attendez-moi. Eh, grand frère. Grand frère, s'il te plaît. Allez. Eh bien, rentre à la maison. J'arrive. Strong and courageous. Godly's the righteous, you'll be victorious. I want you.
Chukwu onye tere mmanụ, o nwego onye ga-akwụsịwu. Nwachukwu tere mmanụ, abụm Chukwu, Chukwu Dumeje. Je ne sais pas qui tu es, mais sache que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Montre-toi. Je peux te les montrer. Je n'ai pas peur. Aucun pouvoir n'est au-dessus de Jésus. Ce qui est à moi est plus grand que vous. Et je vous commande au nom de Jésus, disparaissez devant mon chemin. Disparaissez au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Papa, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je suis confiant, papa. Ne me laisse pas. Sois toujours avec moi, papa. Encore une fois de plus, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu m'a donné un pouvoir sur toi. À toi et à vous, mes ennemis. Et avec autorité, je vous ordonne de mourir par le feu. Dans le nom de Jésus. Soyez consumés par le feu. Abunchukwu, strong and courageous, godly and righteous, you be victorious. Okay, Alagbo, no lumbu dike je lebu. No lumbu dike je lebu. Oh, danjinji. Oh, danjinji. Ebo ije jog. Ijija na mulu mwane ebe na mwa na mulu ya. Ebo abo asuru namba anu udia namba. Ofwana gado kala abu ike akbo anu. Oh, danjinji. Oh, danjinji. Oko me. Oko do oko si me. Iwo gubu nya komo nebi. Iwo gubunya komo neli. Ha! Uso shebe woku. Oko me. Ha! Afshina bo. Odogu anya me. Iketu gona planya. Mouna guaro. Odenjiji. Obo sabugo. Obo sabolo. Akala kare limpulo. Lève-toi. Odenjiji, lève-toi. Odenjiji, lève-toi. Lève-toi. Mon étion,
mon étion oui et moi j'ai job encore donc aussi et moi j'ai job ah et pour la boulot bien il baba la balagou la zwagou on y a voulu la gouille à bon sang et moi j'ai job hop 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 hop. Au nom de Jésus, je ne connais pas qui tu es, mais ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en toi. Dans le nom de Jésus, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, tu m'as donné le pouvoir sur tous ces esprits. Je n'ai pas peur de toi, dans le nom de Jésus. Aïe! Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi et je t'ordonne, sois consumé. Olympia, je peux voir, je vois maintenant, je vois, je vois, je peux voir, regardez-moi, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, tu peux voir, tu vois, tu vois, je vois, je vois, regardez-moi, je peux voir, je vois, mes yeux ont fonctionné, merci Jésus, 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 je peux voir, je peux voir, je peux voir. Quelle grâce! Mon Dieu! Sois loué, Dieu! Ma soeur! Où est la maison? La maison est où? Je peux voir! Je peux voir! Mes yeux ont fonctionné! Je peux voir! Je peux voir! Gloire à Dieu! Allo show the league go. I can do good blanya in us woman. I can do good blanya in us woman. Hey! Pourquoi te plains-tu? Hey, menu. You go, menu. Hey, menu. Hey, menu. Ha! Mille livres de la maman Massimo. Il y a un gars qui a un gars. Mille livres de la maman Massimo.
Igwe, Odenjinji a été vaincu par ce simple prophète. Toi, tu es Gui. Et je n'accepterai aucune explication de vous tous. Vous êtes tous Gui. Et personne ne me mérite. Il y a une question que je me pose. Je me demande ce que nous devons vraiment faire. Que devons-nous faire pour récupérer notre reine dans ce royaume, comme c'était avant? Quoi? Et qu'en est-il des autres de tes collègues? Igwe, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, Igwe. Hara. Hara, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu dois trouver quelque chose que nous devons faire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici, dans notre royaume? Qu'est-ce qui se passe? La seule et dernière option, c'est d'aller vers le prophète et lui demander de nous pardonner. Hein? C'est ça. J'ai dit la seule option, c'est d'aller voir ce prophète et lui demander de nous pardonner. Et lui donner le trône à lui. Et Igwe, vous et Onowu devez vous agenouiller devant lui. Ah non. Hara, Onowu, est-ce que tu penses vraiment ce que tu es en train de dire là? Onowu, il est temps que nous trouvions une solution à tous ces problèmes. Croyez-moi, cela va bien au-delà de mes pouvoirs, oh. Oh. Ah. Tu es un homme très brillant. Igwe. Le plus brillant de tous les autres. Igwe, tout va bien? Tu es un homme brillant. Oh, merci beaucoup, Igwe. Mais comment se met-il à dire des bêtises comme ça? C'est très gentil, Igwe. Je suis sincèrement très très flatté. Igwe. Abomination. 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 Igwe, c'est quoi ça? Abomination. C'est quoi ça? Foutu. Foutu. C'est les sorts qui tu es de réservé. Je suis fini. Tu en es vraiment sûr? Je ne peux pas vivre cela. Hein? Je suis fini. Et c'est fini Majesté. Pour moi. Majesté. 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 Hey. Igwe. Igwe. Hey. Hey! Oh non, c'est quoi ça? Hey! Hey, Igwe! Vous tous sortez! Sortez! Sortez ici! Sortez! Sortez, vous êtes libérés par le sang de Jésus! Sortez! Sortez, allez-y! Allez-y, vous êtes libres! Allez-y, allez-y, vous êtes libres. C'est Jésus qui vous a sauvés. Sortez, allez-y, partez. Partez. Vous êtes libérés par le sang de Jésus. Coupez tout ça. Détruisez, détruisez le tout. Détruisez. Merci Jésus, merci. Merci. Donne-moi. Donne-moi ces couteaux. Donne-moi ces couteaux. Donne-les-moi. Donne. Donne. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus. C'est Jésus qui régnera ici. Bye.
Ce n'est qu'aujourd'hui que tu es sorti. J'espère que tout va bien. Je vous espère bien portant. Je l'avais dit. Je l'avais prédit. Grand fils d'Obodo, salut. Longue vie à vous. Iloba, de quoi es-tu en train de parler au juste? Onou est mort. Onou est mort. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit. Hey! Et avant qu'il ne meure, il avait fait une confession. Il a confessé de sa propre bouche que Igwe Ibidigo Gada avait conspiré et puis a tué Igwe Obodo. Hey! Quel sacrilège, oh! Quel sacrilège! Hey! Oui, Obamchugu. Et le fils d'Igwe Obodo. Il est le fils biologique d'Igwe Obodo. Papa. Papa, pourquoi est-ce que toi, Igwe, et les membres du cabinet avaient banni Ayanomwa Umweko de cette communauté? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont très mauvais. Là, je parle du méchant Odikenjinji. Écoute, laisse-moi te dire. Ils ont fait tout ça à Odemjinji à cause de moi. Es-tu l'un d'eux? Papa, tu me connais. Tu connais ton fils. Je ne peux pas être un de leurs. Hein, papa? Je ne peux pas être un de leurs. Je suis le propriétaire de ce plan-là. Papa, laisse-moi te dire. Je veux devenir le roi de cette communauté. Va dire au roi de se préparer, car cette couronne me revient. Je pense que tu es fou. Igwe a dit que ce royaume est pour la famille d'Obodo. Et toute notre famille est pour Onowu. C'est comme ça, mon fils. Ok. Papa, ne t'inquiète de quoi que ce soit. Papa, va lui dire que je viens récupérer ses terres. C'est soit... Je les récupère et ils restent vivants. Soit je le récupère tout en le tuant. Je ne suis pas dedans. Oh. Dans tout ce que tu fais, moi là, je me lave les mains. Papa, peu importe ce que tu dis, ça ne me lie en rien. Va les lui dire. Ces terres me reviennent de droit. Je t'avertis. Je t'avertis. Tu es averti. Ça ne regarde que toi. Igwe, vous me cherchez. Exact. Et je veux te demander pour la dernière fois, es-tu impliqué dans l'affaire de Odejinji?
Oui. Et pourquoi? Parce que je suis le nouveau roi. Abomination. Ceci est un sacrilège. La lignée royale de Umke est incontestable. Hein? C'est héréditaire. Depuis les temps anciens. Hé, arrête de me distraire avec tes mots. Que signifie tout ça? Je suis le roi ici à partir de maintenant. Abomination. Pas tant que je serai en vie. Alors tu mourras. Tu es banni de cette terre à tout jamais. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Vous étiez banni de ce village. Tu mourras. N'importe quoi. Je suis curieux de voir comment tu régneras sur moi encore. Prends tes hommes. Va dans le palais du Gobolo. Tue-les. Tue sa femme. Tue tous ses enfants. Tue tout le monde vivant là. Et rapporte la couronne. Je dois prendre possession de tout ce royaume. Pars et prends tes hommes. C'est comme si c'était fait. Comment est-ce que ces fous pouvaient marcher sur moi? C'est impossible. J'ai tout le bien des parcelles. Le royaume de Mouké, voici venir ton nouveau roi. Combien il est bon de régner, je régnerai sur ce royaume. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, épargne ma vie. Je ne veux pas te tuer. Tu es trop belle pour mourir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que c'est interdit dans notre royaume. Si tu me fais ça, je suis enceinte. Je deviendrai folle. Igwe Bilbi Ogala, qu'est-ce qu'il y a que tu aimerais que le dieu fasse pour toi? Parle! Odejiji, le grand démon de cette terre, t'écoute. Anoumo, je veux être spirituellement fortifié. Je veux être le plus puissant dans tout ce royaume. Je veux être le plus riche dans ce royaume. À telle enseigne que personne ne soit capable de me rivaliser. Et qu'aucun esprit ne soit capable de me rivaliser. Ainsi soit-il. Un prédateur, il n'y a pas de paix pour le méchant. Il ne peut pas y avoir de paix pour un méchant. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je le savais. Je savais que ces deux-là étaient maléfiques. Hey, mais non, laissez-moi aller me reposer. Nous n'avons jamais su que tu étais de ce village aussi. Maintenant que nous le savons, pas seulement que tu es de ce village, tu es aussi un héritier au trône. Nous sommes venus te supplier de devenir notre roi. Sois notre roi, parce que ton défunt père, Igwobodo, était un homme honnête et très ouvert durant son règne, parce qu'il y avait la prospérité. Il y avait de la prospérité. Nous, les anciens de ce royaume, te soutenons à 100%. S'il te plaît, sois notre roi. Mes anciens, j'ai entendu ce que vous avez dit.
Géant, Dieu avait prévu tout ça par sa volonté. Raison pour laquelle il avait mis ma vie dans le pleutrin. J'ai accepté d'être votre roi. Je serai le roi. Mais faites-moi cette faveur. Oui. Inkena sera l'Onohu. Parce que être Onohu, c'est le droit de leur famille. Oh, ça c'est bien. Nous soutenons cette idée à 100%. Oui, oui. Merci beaucoup. Regardez-les-moi. Merci beaucoup. C'était très bien. Igwe, regarde-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je vais discuter avec toi. Hein? Je t'écoute. Tu sais que je vais bientôt devenir le roi de cette communauté. Je le sais. C'est très embarrassant pour moi. Hey! Ne répète plus ça. S'il te plaît, ne répète plus jamais ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as? Hey, abomination! Comment ça? Tu veux épouser ta propre sœur? Mais nous n'avons pas le même sang. Nous ne sommes pas des mêmes parents. Et je vais t'épouser. En quoi est-ce que c'est une abomination? S'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, arrête, arrête, je n'apprécie pas ça. Tu es la seule femme que j'ai connue dans toute ma vie. Tu veux que je fasse quoi maintenant? S'il te plaît, épouse-moi. Laisse-moi s'il te plaît, c'est quoi ton problème? C'est une abomination, je ne veux pas de ça. Ne le répète plus jamais, je t'ai dit. Ah ah! Maman. Maman. Je les considère toujours comme mon frère. Je ne peux pas faire ça. Ah ah! Maman, nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble et nous avons tout fait ensemble. S'il te plaît, essaye de comprendre. Eh bien, ma fille, je te comprends parfaitement. Je sais que tous les deux, vous avez été élevés comme frères et sœurs depuis toutes ces années. Mais s'il éprouve autrement, on n'en peut rien faire. Il a toujours voulu avoir plus d'intimité avec toi, comme sa femme. Et Bello, je veux que tu essayes de penser. Ce n'est pas une abomination. Non, puisque tous les deux, vous n'êtes pas ici de mêmes parents. Oui. C'est vraiment dur pour moi. Je n'arrive pas. Je te comprends. Mais je veux aussi que tu prennes le temps de réfléchir. Je sais que ton instinct ne te laissera pas faire. Par le pouvoir qui m'a été donné comme l'Onohu du royaume Umuike,
le faiseur du roi, je me tiens ici pour remettre la couronne que mon père, Igwe Ibebi Ogada, les avait arrachés. Je me tiens ici et je le confère à Obomchukwu Agodo, Oguchukwu Nyaro, premier du royaume Umuike, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Igwe! Et à sa très jolie femme, Dibase Saifu Wanyamadia, je me tiens ici et lui confère ce symbole de la paix du royaume Umuikie. Igwe! Je remercie tout le monde ici. Et je vous remercie d'avoir fait de moi votre roi. Et je remercie le Dieu qui a fait que tout soit possible aujourd'hui. Exact. Que son nom soit glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux vous présenter ma femme, qui est la plus importante dans ma vie. Mais avant de la présenter, laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme méchant a rendu ma maman folle. Et il y a une personne qui a sauvé ma vie, qui allait pourrir déjà. Et cette personne m'a amené chez sa sœur, qui a pris soin de moi. Et quand elle est rentrée ici, ces hommes méchants ont fait d'elle une esclave pendant 45 ans. Hey. Avant elle, on a tué son mari. Hey. Hey. On a tué ses enfants. Hey. Ce et Dieu l'a finalement délivrée. Un monde sans pitié. Elle est très importante dans ma vie. Maman, laisse-les vous voir. Wow. À partir d'aujourd'hui, c'est la maman de Obomchukwu Ogodo. Obunyenga, premier du royaume de Umuike. Elle est ma maman. Et aussi, je veux apprécier la femme qu'elle a utilisé pour sauver ma vie. Heureusement, elle est ma belle-mère. Maman. Maman. Maintenant que la musique joue, mangez, buvez et dansez. Oh non. Le studio de doublage d'Afore.